Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle recette. Comme toujours, je vous mets les ingrédients écrits sur l'écran avec les SP pour les WW bleus. Voilà, donc là, nous allons faire des rosties courgettes Merzder. Désolée, j'ai beaucoup de mal à prononcer ce nom de fromage. Voilà, donc on commence par ça. Il y a 60 g de Merzder. Il y a 60 g de Merzder. Coupé en petits morceaux, 3 cuillères à soupe de farine, 3 œufs, 400 g de courgettes râpées, ça équivaut à peu près à 2 petites courgettes, du sel, du poivre et du curcuma. Allez, c'est parti pour la recette. Je vais commencer par casser les œufs. Je vais rajouter la farine. Du sel. Du poivre. Et du curcuma. Bien sûr, si vous n'aimez pas le curcuma, vous pouvez toujours mettre autre chose. C'est comme vous voulez. Je vais venir ajouter les courgettes. Voilà, notre pâte est prête et on va les faire cuire. C'est parti. Je fais chauffer ma sauteuse. Moi, elle est anti-adhésive, mais si vous voulez, il existe ceci. C'est des papiers qu'on met au fond des poêles et c'est anti-adhésif. Voilà, ça permet de ne pas mettre de matière grasse. Et on va commencer la cuisson. Je rajoute les morceaux de fromage juste au-dessus. Oh, c'était chaud. Voilà, je les ai retournés et je les ai laissés cuire 5 minutes sur chaque côté avec le couvercle à feu doux. Voilà, mes rosties sont cuits. Et voilà, je fais cuire les autres et on se retrouve tout de suite après. Et voilà les derniers rosties. Voilà, voilà. Donc j'ai fait cuire 5 minutes avec le couvercle d'une face et de l'autre. Voilà, ça fait 10 minutes de cuisson à peu près pour les rosties.
Et voilà une recette très rapide à faire. On peut l'inclure dans les batch cooking. Ça se conserve très bien dans une boîte hermétique. Un petit peu chaud. Et voilà pour cette petite recette. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Vous pouvez liker, partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!